Salam alaikum Mazoul, bonsoir. La politique est l'art du possible, avait déclamé Léon Gambetta, ce redoutable politicien français de la Troisième République. Cette citation allait faire florès. En fait, tout à l'heure, quand j'ai tapé sur hash Google pour voir qui avait dit cela, j'étais sûr que ça ne pouvait venir que d'un politicien. Parce qu'il faut être un sacré politicien pour penser que la politique puisse être un art. Si ce n'est celui du mensonge, de la dissimulation, de la tromperie de masse. Je me suis toujours demandé pourquoi on dit menteur comme un arracheur de dents, menteur comme un soutien-gorge. Alors, qu'il n'y aurait pas eu de formule plus exacte que de dire menteur comme un politicien. Le mensonge est tellement entré dans les mœurs politiques qu'il ne choque plus, qu'il n'interpelle plus. Je dirais même qu'il est devenu quasi inimaginable d'imaginer seulement un politicien qui ne fasse pas du mensonge son principal atout, son principal outil, son alpha et son oméga. Au point où les politiciens ne savent plus travailler, parler, sans mentir. Le tout est de savoir pratiquer le mensonge, le décliner à tous les accents de la sincérité, de l'enthousiasme, de la frénésie, de l'attifer de toutes les vertus, de savoir glisser le loup dans la peau de mouton. Gambetta n'a donc pas failli à la vérité, et en bon politicien qu'il était, donc en bon menteur, il a su laisser à la postérité un mensonge gros comme ça, que tout le monde déclame et qu'on fourgue à tous les gogos du monde. La politique est l'art du possible. Et jusqu'à aujourd'hui, malgré la dure réalité que nous endurons chaque jour, du fait des politiciens, justement, qui rivalisent de mensonges, nous continuons de ressasser cette citation, comme si elle était parole de Coran. Et si vous vous en doutez, si vous pensez que je pousse un peu le bouchon, et que c'est caricaturé grossièrement que de dire cela, que de mettre tous les politiciens dans le même paquet menteur, alors il vous suffit d'écouter les dernières déclarations de Sellel, le premier ministre algérien. Écoutez quelques-unes de ces déclarations et nous allons commencer par quelques anciennes. Je crois, comme j'ai eu à le dire à M. Valls, nous sommes parmi les rares pays au monde qui avons inscrit sur les marbres de la Constitution, la dernière Constitution, que la liberté de la presse en Algérie est constitutionnalisée. C'est parmi les rares pays qui ont inscrit au niveau de leur constitution qu'un journaliste ne pourra jamais être emprisonné. قليل ما سمعتش قالت النظام نقسم لك بالله انا منين نهار مشيت والله ما سمعت سمعت خطره سمعت من بعيد خلاص ديجاج قلت له بونجور ولازم نخرجوا من البترول وراح نخرجوا من البترول هو لنانو تكنولوجي سياسه الدوله الجزائريه سياسة رئيس بوتفليقة واضحة كل وضوح حنا ضد الجمود مشي عندنا ملايير دولارات مخزنة ناكلوها ومن بعد نروحوا نطلبوا لصندوق النقد الدولي هاش هذه سياستنا حنا نمشيو للإنتاج نمشيو للاستثمار ما نحبسوش C'est pour ça que je suis tenté d'envoyer un message
à M. Gambetta d'outre-tombe pour lui dire la politique est l'art de l'impossible. Mais écoutez ce qu'il dit maintenant, c'est l'El. جيت وغرست معكم اول شجره زيتون واليوم راهي داخله في الانتاج واليوم راكم وسعتوا فيه فيه السوريس فيه الزيتون فيه كذا انتاج اللي راح يساعد السوق الوطني وكذلك تصبحوا تصدروا لان احنا زيت الزيتون اذا كان توصلوا ل 20,000 وكما راكم مبرمجينها 20,000 اضربها ب 800 دولار رانا نتهنوا من البترول ان شاء الله. L'agriculture, donc, va vous rajouter un quota en plus. C'est seulement au niveau d'agrodiv, donc, tu as le mot. Parce que nous avons le qamh de l'extérieur. Il faudrait que vous appreniez à, sur une part de ce qu'on vous donne en soutenu, pour le transformer et aller à la conquête de marchés en Afrique. اليوم بعد 3 سنوات راح تنتجوا الزيت على بالك برميل تاع البترول يساوي 159 لتر تاع زيت الزيتون يساوي 800 دولار ان هذا هو الشيء اللي راح يسمح لنا باش نغير النمط الاقتصادي في البلاد والتوجه حول اقتصاد متنوع ونخرج نهائيا من التبعية للبترول ولو والحمد لله أنا منذ سنتين أنا عايشين صدمة الأسعار بعد تراجع أسعار النفط والجزائر راهي بخير نحسن وضعنا في الاقتصاد ونديفلوب لا برودكسيون نحيو السياسة السياسوية من الاقتصاد نروحوا فير لا كرياسيون دو ريشيس pour nous permettre d'agir sur le plan social. Il faut que nous mettions le gène de المواطنين اللي حاب يستثمر واحد يحب يدير مطعم وحب يدير قهوة وحب يدير باش يزوجوا الناس وين يروحوا الناس تطوروا الجيريا يفولوي دركم ماكمش على كوت دي الجيريان دي الجيريون جو ريست فوندامونتالمون ديسو بريزيدون يضل يعاود Bzz. On a envie, je sais pas, d'exploser. Vous avez entendu ce qu'il a dit? 20 000, je crois qu'il parle d'olivier, 20 000 multiplié par 800 dollars, tenez le pétrole. Vous entendez? Je vais dire quelques-unes de ces déclarations, de ces dernières à Saïda. Je réaffirme que dans toutes les situations, la politique de l'État ne sera pas orientée vers l'austérité, mais il y aura plutôt une diminution des dépenses, notamment celles qui concernent le fonctionnement et l'équipement. Plus loin, il a dit, les réserves de change en Algérie vont s'établir autour de 116 milliards de dollars en 2016 et ne baisseront pas en dessous des 100 milliards de dollars, quelles qu'en soient les circonstances. Alors que toutes les institutions mondiales les plus sophistiquées disent tout à fait le contraire, qu'elles vont descendre à un point vraiment très bas. Il dit encore, l'Algérie se porte bien et il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il dit aussi, l'Algérie va bien, les choses sont stables et il faudra faire des efforts supplémentaires, parce qu'on en fait déjà, hein, donc il faudra en faire des supplémentaires, notamment dans le domaine agricole, afin d'exporter davantage. C'est-à-dire qu'on exporte déjà, donc il faut exporter davantage. Et on se demande là, pourquoi dans ce cas, 98% de nos ressources viennent du pétrole? Il est où l'argent de l'exportation? S'exprimant au sujet de certains résultats économiques, celle-là l'affirme, ces bons résultats ont été obtenus grâce aux mesures de rationalisation de la dépense, de maîtrise du commerce extérieur, de réduction des importations, avec la poursuite des efforts de l'État dans le domaine social et les secteurs névralgiques, que celui qui a compris explique à celui qui n'a pas compris. En tout cas, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Farhat Aït Ali,
analyste financier, ancien cadre du ministère des Finances dans les années 80 et 90, et Nordine Boukrouh, intellectuel et politicien. Les deux nous parlent depuis Alger. Mais nous allons d'abord écouter les titres d'aujourd'hui. TSA, déclaration économique de Sellel, entre approximation et démagogie, par Toufir Abdelberry. L'expression. Sellel répond aux semeurs du chaos par des chiffres à l'appui. L'Algérie se porte bien, par Mohamed Boufetah. El Moudjahid. Le Premier ministre Saïda. L'Algérie résiste et améliore ses performances, par Karim Aoudia. Farhat Aitali, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir. Alors, vous avez une idée de ce qu'il est en train de nous dire, M. Sellel, et quels sont donc ces bons résultats obtenus avec une telle rationalisation et de tels efforts? Écoutez, c'est Jamal, logiquement, dans une discussion d'essence économique, il est vraiment difficile de répondre à un discours éminemment politique, je dirais même politicien. Donc il est évident qu'on ne peut pas affronter ce genre de discours avec une analyse cohérente, parce que le discours en lui-même est incohérent. Si on parle d'amélioration de la situation, il faudrait quand même savoir laquelle. Est-ce que c'est celle de la société? Est-ce que c'est la situation du tissu productif national? Est-ce que c'est la situation des finances publiques qui, de toute façon, après avoir usé toutes les réserves, je dis bien toutes les réserves, y compris le fonds de régulation, dans lequel il ne reste pas grand-chose et qui va être liquidé d'ici la fin du mois, parce qu'ils vont, essayer d'éliminer le plancher de 740 milliards de dinars, après avoir usé aussi d'un emprunt intérieur qui n'a pas ramené grand-chose, il nous restera quand même un déficit d'un minimum de 14 milliards de dollars, enfin en équivalent dinars, à la fin de l'année, qui ne sera pas résorbé sans emprunt extérieur ou émission de la Banque d'Algérie. Donc dans ce cas précis, si un politicien estime que cette situation est une amélioration, s'il estime que c'est une situation tenable et gérable, eh bien, grand bien lui passe. Mais je ne suis pas du même avis. Mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit 20 000, que multiplie 800 dollars, adieu, teninam le pétrole. J'ai pas compris. Il parlait de 20 000 barils, hein, parce qu'il a essayé de mettre l'huile d'olive dans des bâches. Il estimait qu'un baril de pétrole qui était de 159 litres était aujourd'hui à 45 dollars et qu'un baril d'huile d'olive valait approximativement 800 dollars. Donc il a estimé que l'huile d'olive algérienne... Mais pardon de vous interrompre. Pardon, Farhat Aitali. Un seul litre moi j'ai l'impression... 2 litres à peu près d'huile d'olive font le prix d'un baril de pétrole, si je ne me trompe. 2 litres, non, pas un baril, 2 litres. Non, l'huile d'olive locale, ici, elle est vendue à peu près à 800 dinars, aux environs de 7 euros. Donc lui, il estime qu'il pourrait l'exporter à 7 dollars, mais ce n'est pas le cas. De toute façon, 20 000 barils d'huile d'olive, ça ne fait jamais que 16 millions de dollars, au cas où son chiffre de vente se réaliserait. Hein, on est quand même un peu loin. Non, mais je m'excuse, Farhat Aitali. Il y a un souci. Combien il y a de litres dans un baril? Dans un baril, il y a exactement 159 litres. Bon, s'il y a 159 litres d'huile d'olive dans un baril, c'est 100 fois le prix d'un baril de pétrole. Pas exactement, parce que là, on est en train de parler de 800 dollars le baril. 800 dollars, les 159 litres d'huile. D'accord. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il va ramener. Oui. Et donc, lui va compter les barils d'huile d'olive qu'il va exporter, voilà. 20 000. Il va exporter 20 000 barils d'huile d'olive. 20 000. Voilà, et il les ramène d'où? Il les ramène d'où? D'après lui, c'est la ferme de Saïda qui était censée fournir l'équivalent de 20 000 barils d'huile d'olive par an. Cette ferme qui a à peu près de 1000 hectares, donc qui doit receler d'après la plantation quelque chose comme environ, on peut parler d'1 800 000 oliviers, parce que là c'est une culture intensive. Bon, à la limite, moi je ne suis pas contre cet investissement,
Mais de là à faire une corrélation entre l'investissement de ce monsieur et la rente pétrolière, ça c'est une blague de mauvais goût. Parce que l'Espagne, qui fait de l'huile d'olive depuis des siècles, qui a quand même les plus grandes oliviers d'Europe, arrive à un chiffre d'affaires moyen de 4 milliards d'euros en produisant pratiquement sur 1 300 000 hectares, en produisant 1 800 000 tonnes d'olives, soit 1 800 000 litres, ce qu'on n'atteindra jamais, particulièrement dans les plantations du Sud. Parce que de toute façon, il y a un stress hydrique, donc il va y avoir un problème pour la pérennité de ce genre de plantation. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on essaie de faire une relation directe entre un produit parmi d'autres qui pourrait éventuellement s'exporter. D'ailleurs, on n'a pas d'autosuffisance nationale. Ce qui est comique, c'est que dans toutes les super algériennes, on trouve de l'huile d'olive espagnole et tunisienne aussi. Donc cette histoire d'exporter de l'huile d'olive pour compenser les pertes sur le pétrole, franchement, c'est un plan qui m'échappe quelque part. Hein. Je ne sais pas d'où il a sorti. Oui, mais c'est le Premier ministre qu'il annonce de tels chiffres comme ça, que du jour au lendemain, comme ça, on va exporter 20 000 barils d'huile d'olive. Qui vont donc mettre, c'est quand même incroyable, une telle outrance, hein, pour dire le mot. Écoutez, je l'ai dit au début, un discours politique, particulièrement quand il émane d'une personne qui pratiquement fait dans la politique politicienne. Qui est destiné pratiquement à la consommation locale et ne peut pas être discuté de manière rationnelle et cohérente. Il ne peut même pas être contesté, vu apparemment l'auditoire qui était la cible de ce discours. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a fait la relation avec le pétrole un petit peu pour rassurer, pour dire aux gens, de toute façon, nous avons quand même des palliatifs, nous avons des alternatives parmi elles, l'huile d'olive. Maintenant, si l'huile d'olive était une alternative, pourquoi on nous a empêchés pendant 50 ans d'entretenir nos oliviers, parce qu'il se trouve que le pétrole a en partie détruit toutes les oliviers du pays. Parce que les gens qui devaient s'occuper des oliviers, ils sont allés s'occuper de dépenser la rente pétrolière. Ils ont été invités, quelque part, par le système à changer de mode d'existence et à changer même de vocation pour venir consommer ce qu'il y avait à consommer. Donc, si on n'a pas d'huile d'olive exportable dans l'immédiat, c'est quelque part à cause du pétrole. Et maintenant, que le même gouvernement qui a vécu de pétrole pendant 50 ans, parce que quand je parle de ce gouvernement, c'est une suite logique de tout un cheminement qui a commencé par le premier coup d'État en 62. Donc je ne vois vraiment pas la différence entre les différentes étapes de cette non-gouvernance. Mais celle-là nous avait, en fait, il est coutumier du fait. Pendant la campagne électorale de Bouteflika, il avait promis aux gens de Masker qu'il allait en faire la Californie. Il avait promis que durant le quatrième mandat, la Masker allait devenir la Californie de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, à Saïda, il est en train de nous dire que la région de Saïda va remplacer les ressources hydrocarbures. Et les partenaires étrangers, ils ont presque été choqués parce qu'un mépris poussé à ce point d'outrance, c'est vraiment dur à avaler. À la limite, je dirais que les partenaires étrangers, ils connaissent un petit peu la musique. Ils ont traité avec le système et ses différents gouvernements en fonction des intérêts du moment. Bon, disons qu'ils ont toujours été choqués, mais ceci dit, tant qu'il y avait quelque chose à gratter dans la trésorerie locale, et ben, les partenaires étrangers, j'en ai vu quand même qu'ils nous ont présenté cette forme de gouvernance comme étant une des plus sages de l'histoire de l'Afrique du Nord, y compris le FMI. Et le FMI, en 2007, distribuait des satisfaits à gauche et à droite parce qu'il y avait assez de réserves, il y avait des perspectives de pomper encore de l'argent ici. Aujourd'hui, évidemment, ils vont montrer quand même l'étendue de leur étendement, parce que maintenant rien ne les retient plus pour dire exactement ce qu'ils pensent, particulièrement maintenant qu'ils savent qu'ils sont en train d'écouter leurs futurs débiteurs éventuels, leurs futurs commandeurs de crédit. Donc le statut a changé, et même les réactions, on les voit beaucoup plus maintenant, plus franches sur leur visage qu'à l'époque où il y avait quelque chose à apprendre d'ici. – Je reviendrai justement à vous dans un instant pour vous demander de nous dire un peu cette déclaration de Sellel qui nous affirme que ça ne descendra pas en deçà des 100 milliards de dollars, ces fameuses réserves de change. Et donc avant de recevoir Nordin Boukro, j'aimerais vous montrer une vidéo, vous allez voir des jeunes Harraga, qui viennent d'accoster, non pas dans l'Europe prospère, mais en Grèce.
Ça veut dire le pays le plus malheureux d'Europe. Et vous allez voir combien ils sont contents d'arriver en Grèce, où les propres habitants ont beaucoup de problèmes. Et vous allez voir, regardez. Nourdin Boukrouh, merci d'avoir accepté notre invitation. Jamal. Merci. Alors, Nourdin Boukrouh, vous êtes connu pour vous être distingué dans la lecture sociologique du fait politique. Vous traduisez et vous décortiquez avec une rare perspicacité des phénomènes qui peuvent sembler anodins, mais qui expriment souvent des causes très complexes, parfois très anciennes, superposées. Et je voudrais donc que vous nous expliquiez un peu ces déclarations de Sellel et des gens comme lui, que vous nous disiez d'où vient cette propension de certains politiciens algériens, Sellel en particulier, à la pratique du mensonge le plus grossier et qui ne tient compte d'aucune subtilité, d'aucune prudence. Essayez de nous l'expliquer, Nourdin Boukrouh. Oui, merci Jamal. Je crois qu'il est, il serait malvenu d'abord de rapprocher des noms propres comme ceux de M. Sellel et de Gambetta. Je crois que c'est une outrance, vous avez parlé tout à l'heure d'outrance. Oui, oui, je vous en prie. Voilà, c'est une outrance pour la mémoire de M. Gambetta. M. Gambetta était un homme politique, un homme qui a vécu au cœur d'événements importants dans l'histoire de la France. D'où vient d'abord M. Sellel, avant de nous intéresser à son raisonnement? M. Sellel est le produit d'une équipe qui gouverne aujourd'hui le pays. Cette équipe s'est érigée sur quelques critères qu'on retrouve chaque fois qu'on balaye du regard les institutions du pays, les hauts responsables du pays. Pour ne pas nommer, on peut se référer à ces critères négatifs, qui sont d'abord la sénilité, la servilité, la débilité, et là, nous y sommes en plein, et enfin un autre critère négatif, qui est la corruptibilité. Si aux États-Unis on parlait au début du siècle dernier de lutte contre les incorruptibles, chez nous c'est la recherche des gens corruptibles pour les mettre au sommet, à la tête des institutions de l'État. M. Sellel n'est pas à mettre sur le compte de la pratique ou de l'art politique. Il n'a rien à voir ni avec l'art de la politique, ni avec la politique politicienne. C'est un fonctionnaire qui s'est retrouvé, qui a été recruté justement sur la base des critères que je vous ai énoncés. Que ce soit lui ou un autre, que ce soit le Premier ministre ou d'autres responsables, jusqu'au plus haut niveau de l'État, il y a une logique apparente. Nous sommes gouvernés par la sénilité, nous sommes gouvernés par la débilité, nous sommes gouvernés par la servilité. Il faut être servile aujourd'hui pour avoir un poste, pour avoir une responsabilité. Donc M. Sellel peut dire n'importe quoi. Il ne peut pas entacher l'art de la politique, que ce soit l'art du possible ou de l'impossible. Il n'a rien à voir avec ce concept noble, parce que c'est la politique exercée par des gens intelligents, par des gens sains et sereins, des gens dévoués à l'intérêt public de leur pays. Ce sont ces politiciens qui ont construit les civilisations et les États depuis la Grèce antique, en passant par toutes les civilisations qui sont succédées. Mais Nourdin Boukrouh, j'entends bien et je comprends que vous défendiez cette subtilité qu'est la politique, ce concept que nous nous faisons, mais le malheur, et je comprends d'autant plus que vous avez été politicien vous-même, que vous avez été aux affaires. Mais, le problème, c'est que les Algériens n'ont connu de la politique que son côté le plus noir. Depuis l'indépendance, depuis la confiscation de l'indépendance à ce jour, ils n'en ont connu que le mensonge. Absolument.
J'aimerais que vous nous expliquiez, comment ils en sont arrivés là à nous mentir avec autant d'outrance, comme vous disiez, avec autant... Ils sont à l'aise, hein, ils n'ont aucun complexe, ils sont très bien, ils roulent carrosse, en quelque sorte, si je peux dire, ils sont dans un boulevard, ils sont bien à l'aise dans leur peau. J'aimerais comprendre comment on sent-il arriver à une telle aisance dans le mensonge. C'est le cynisme absolu. Comme le dit le proverbe arabe, si tu n'as pas honte, fais ce qui te plaît, fais ce que tu veux. Si tu n'es pas retenu par la décence, fais ce que tu peux, tu pourras tout faire. Donc, l'histoire du pouvoir algérien est une histoire tragique. Parce que ce pouvoir s'est constitué dans des conditions historiques tragiques pendant la Révolution. On a vu les liquidations physiques, les luttes pour le pouvoir et non pas pour le triomphe de la cause nationale. Et l'indépendance a été presque un phénomène providentiel. Avoir tous les mauvais coups qui ont été faits, qui ont été accomplis, s'il n'y avait le peuple crédule, le peuple naïf, le peuple qui croyait en cette cause nationale, qui croyait en l'idée d'indépendance, parce que pour lui, ça allait lui redonner un jour la liberté, la dignité. Donc si n'était ce peuple-là, avec ses qualités morales, ce n'est pas la pseudo-élite de l'époque qui était faite de gens qui calculaient, qui ne faisaient pas la révolution, mais calculaient, qui faisaient leurs calculs dans les coulisses de la révolution, qui se préparaient à hériter de l'indépendance. Peu importe, bon, il y a une succession, nous avons eu le malheur, parce qu'un pays comme ça, qui sort de plusieurs siècles de colonisation, qui se retrouve en plein XXe siècle, dans un pays riche, dans un pays vaste, un pays immense, une population proportionnellement peu importante, n'est-ce pas, pour 2 300 000 km², une population de 10 millions d'habitants à l'indépendance, c'était vraiment l'Eldorado avec le potentiel économique. On n'avait pas le potentiel intellectuel, on n'avait pas de visionnaire à la tête de l'État. Les quelques gens qui avaient de la culture, qui avaient fait des études, qui avaient exercé la politique pendant le mouvement national, ces gens-là ont été les plus faciles à éliminer, à écarter, à emprisonner ou à assassiner. Aujourd'hui, nous sommes revenus à la pire période de l'histoire de l'Algérie où nous voyons une espèce de clan comme ça qui s'est emparé du pouvoir par la ruse et non pas par l'exercice de la politique, qui se sont emparés de pouvoir non pas en vue de créer l'Algérie, de construire l'Algérie, mais en vue de profiter de l'Algérie, de vivre de l'Algérie, d'assouvir leur instinct de possession, leur instinct, leur sentiment de leur recherche du sentiment d'importance, de considération. Ils se sont institués en élite par la force, par la répression, par l'intimidation, par la fermeture de tous les canaux d'expression pour la société, pour les dizaines de milliers de gens que l'Algérie a formés, aussi bien dans le civil que dans les militaires. Mais le problème, le plus grand problème, ce n'est pas qu'il existe cette Issaba à la tête de l'État. C'est où est le peuple algérien? Un État, c'est un pouvoir, mais c'est aussi un peuple. C'est aussi une société. Où est cette société? Où sont ces cadres formés par l'Algérie pendant des décennies, aussi bien dans les institutions civiles que militaires? Que fait toute cette Algérie? Mais justement, Nordine Bokroa, justement, humiliation de tous les instants. Justement, Nordine Bokroa, moi je dirais où sont les élites. Je vous rappelle par exemple, en 1962, les accords d'Évian avaient prévu que les Français resteraient pour assurer l'administration du pays les premiers temps, le temps qu'il y ait une relève. Mais ça n'a pas été tenu à cause des problèmes de l'OAS, des attentats, de la haine qui a flambé. Donc les Européens sont partis en masse et tout le monde s'attendait à ce que l'administration algérienne, la gestion publique du pays, s'effondre d'un coup, qu'il n'y ait plus d'eau quand vous ouvrez le robinet, ni de lumière quand vous appuyez sur l'interrupteur, ni de route, ni de gestion des hôpitaux, des écoles. Et pourtant, les Algériens de l'époque avaient relevé le défi. C'était comme si la France n'était pas partie. Le courrier continuait d'être acheminé, les avions de décoller et d'atterrir, les trains de partir à l'heure, d'arriver à l'heure, les hôpitaux de soigner selon des normes quasi européennes. Et puis après, doucement, sans qu'on s'en rende compte, ça a commencé à dégénérer, ça a commencé à se médiocratiser, si je peux utiliser ce terme. Et plus on avançait et plus on reculait en fait.
jusqu'au point où nous en sommes aujourd'hui. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez comment, Nordin Bokroa, en sommes-nous arrivés à ce point de médiocratisation où sont parties nos élites? Où est partie l'université algérienne? Vous n'allez pas me dire que tout le monde est parti à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, en Australie. Il y a encore des élites au pays. Pourquoi sont-elles invisibles? Pourquoi sont-elles inaudibles? Parce qu'en 1962, nous étions 10 millions d'habitants et il y avait quelques milliers d'Algériens qui avaient reçu une formation universitaire. Il y avait des dizaines de milliers d'Algériens qui étaient de petits fonctionnaires qui ont appris un peu les rouages de l'administration. Cette force sociale, maintenant, a disparu par le fait de l'âge. Les gens sont décédés. Beaucoup de ces élites, beaucoup de ces anciens fonctionnaires qui ont bâti l'Algérie sont décédés en vertu de l'âge. Le poids numérique de cette élite s'est dissous, il a été submergé par la démographie galopante. Aujourd'hui, nous sommes 40 millions. L'école algérienne a été transformée. À l'époque, les gens avaient encore le souvenir de la rivalité avec les Français. Il fallait faire comme les Français, comme les Juifs. Il fallait être performant, être compétitif pour sauvegarder sa dignité. Il fallait travailler aussi bien, être rigoureux dans l'accomplissement des tâches de tous les jours, dans toutes les fonctions, partout sur le territoire national. Ces valeurs ont été perverties, ont été remplacées par de pseudo-idéaux qui ont été instaurés, la révolution agraire, la GSE, la révolution industrielle, Boumediene, le mythe de l'homme nouveau algérien, l'arabisation forcenée, l'islamisme charlatanesque, etc. Donc, ce demi-siècle d'indépendance a été géré par des gens qui n'avaient pas de vision de ce que peut être une nation ou un État. C'était presque des aventuriers, des gens dont le profil était incertain, dont même l'itinéraire était incertain, qui étaient pour la plupart à l'étranger, en dehors, qui n'ont pas risqué leur vie un seul jour. Ce sont ces gens-là qui ont pris le pouvoir par la force. Et ils se sont entourés de gens fidèles. C'est toujours l'allégeance, c'est toujours le clanisme, c'est toujours l'esprit de Asabiya. Il s'agissait de tenir l'Algérie et non pas de la gérer. Aujourd'hui, celle-là est à l'image du président. Un président absent, un président gravement malade, un président qui s'accroche de cette façon-là au pouvoir, ne raisonne qu'en termes de survie, en termes de survie personnelle. Il y a un régime, lorsque celle-là dit aujourd'hui que l'Algérie se porte bien, il parle de l'Algérie d'en haut, comme le dit la fameuse expression française. Il pense qu'en haut, ça se maintient, ça se tient, ils ont de quoi arriver jusqu'à 2019. Pour eux, l'horizon, c'est 2019. Si les choses s'arrangent d'ici là, il y aura un cinquième mandat et un sixième mandat, parce que l'homme qui est à la tête de l'État ne raisonne qu'en termes de demeurer au pouvoir. Il s'est entouré de gens qu'il a choisis sur les critères que je vous ai énumérés tout à l'heure et que je veux répéter, la sénilité, la servilité, la débilité et la corruptibilité, puisque regardez le nombre de gens, de hauts responsables dont les noms sont cités quotidiennement dans des affaires de corruption. Regardez le retour en Algérie de M. Chakib Khalil, qu'on reçoit presque comme un prophète, comme je ne sais. Voilà donc, on ne parle pas de la même Algérie. Il y a un quiproquo. Celle-là est heureux d'être au service de M. Bouteflika, parce que jamais il n'aurait été à cette fonction avec un chef d'État porteur d'une vision, celle de construire l'Algérie à long terme, celle de placer l'Algérie dans la compétition universelle. Restez avec nous, Nordin Bokroa. Je reviens à vous dans un instant et j'aimerais que vous nous parliez, je vous poserai la question sur l'absence de l'université, sa servilité, pour dire les mots, son silence, l'université algérienne qui ne se distingue plus que par deux éléments. L'incompétence crasse et le plagiat. Le plagiat qui a fait de l'université algérienne l'université la plus connue au monde en termes de plagiat. Je reviendrai à vous dans un instant. Farhat Aitali, un commentaire peut-être sur ce que disait Nordin Bokroa avant que je ne vous pose des questions plus techniques. J'ai beaucoup plus sur le dernier postulat que vous avez fait.
à propos de l'université algérienne. Je trouve personnellement que le personnel actuel, en bonne partie de l'université algérienne, c'est le fruit des classes universitaires des années 80-90, des années durant lesquelles justement il y avait un déclin où le quantitatif a pris le dessus sur le qualitatif, où au nom d'une démocratisation mal perçue de la science et de la connaissance, on a pratiquement ouvert le chemin des études universitaires à des élèves du secondaire, je ne dirais pas tout juste moyen, même très en deçà de la moyenne. Donc à partir de là, si vous aviez un mauvais élève dans les années 90, 92, 93, aujourd'hui il est doctorant, s'il n'est pas docteur, aujourd'hui moi je rencontre même dans le domaine économique des gens qui enseignent l'économie mais qui ne savent pas lire un bilan manifestement, qui a à peu près le même langage que M. Sedel en matière d'analyse économique. Tout le système universitaire ne pouvait pas échapper de toute façon à une sorte de politique voulu par effet d'entraînement de clochardisation générale des institutions. Ça a démarré le premier jour où une marquette a dit que c'est basé une baraquette. À partir de là, nous avons démarré, au lieu de terminer avec ce basé et de régler le problème sérieusement, même la population, quelque part, elle a participé. Elle a dit c'est basé une baraquette, maintenant, la haine, c'est basé une baraquette fraîche. Pratiquement, on n'a pas voulu solder les comptes au départ. Et ben, on ne va jamais arrêter de les solder jusqu'à la fin des temps, manifestement. Vraisemblablement, oui, en effet. Donc je répète ce qu'a dit Sellel Farhat Aitali. Les réserves de change en Algérie vont s'établir autour de 116 milliards de dollars en 2016 et ne baisseront pas en dessous de 100 milliards. Il donne un chiffre au rang, hein. Lui, il ne se casse pas la tête. 100 milliards de dollars, quelles qu'en soient les circonstances. Qu'est-ce que vous en pensez, Farhat Aitali? Cette affirmation appelle déjà plusieurs remarques. Si vous vous rappelez, nous en avions parlé dans le cadre du rencontre la Banque d'Algérie et la Banque mondiale. Absolument. Au cours des réserves de change en 2018. Oui. Déjà, à l'époque, j'avais dit que le Premier ministre avait avancé les 116 milliards au lieu des 122 de la Banque d'Algérie. Il vient de répéter les 116 milliards, ce qui fait que déjà, entre un Premier ministre et la première banque émettrice de monnaie dans le pays, il y a quand même comme une histoire de 6 milliards de dollars de différence dans des affirmations qui ont 20 jours d'écart. C'est que des broutilles, c'est rien, 6 milliards de dollars, c'est des broutilles en Algérie. D'accord, mais dans une déclaration à très haut niveau, 100 000 dollars comptent. Quand il y a 6 milliards de dollars d'erreur au moment où les réserves s'érodent, déjà, nous sommes à peu près sûrs que les deux entités, que ce soit le Premier ministre, que ce soit la Banque d'Algérie, n'ont pas de données fiables, n'arrivent pas à coordonner. Ce qui veut dire que les deux affirmations ne reposent pas sur quelque chose de cohérent. Maintenant, en ce qui concerne les réserves de change, elles seront éventuellement à 116, comme elles peuvent être à peu près, moi, d'après mes calculs, j'avais estimé à peu près à 112 milliards à la fin de 2016, mais pour les maintenir, supposons qu'elles soient à 116, pour les maintenir à 100 pendant 3 ans, ça veut dire que les 16 milliards-là qui restent en excédent par rapport aux 100 en 2016 seront exactement les seules dépenses qui se feront au-delà des produits des exportations des hydrocarbures, ce qui veut dire qu'on va les ponctionner à peu près de 5 milliards par an. Le seul moyen de ponctionner les réserves de change de 5 milliards par an est de réduire les importations matérielles à peu près à 25 milliards de dollars et de réduire les importations de services à 5 milliards de dollars, ce qui fait qu'il faudrait quand même réduire les importations algériennes à un chiffre qui avoisine les 30 milliards de dollars pendant 3 ans. Et là, c'est quasiment impossible. Parce que entre les biens et les services, les 60 milliards de dollars deviennent de plus en plus incompressibles. Il n'a pas d'autre choix que de diviser la facture des importations par deux, mais là, il va diviser sa fiscalité ordinaire par deux. Au minimum, il va aussi faire perdre des millions d'emplois, parce qu'en entraînant toute la population vers la rente, donc la plupart des emplois qui se sont créés sont tributaires d'une manière ou d'une autre de ces fameuses importations. La disparition de la moitié du volume d'importation entraînera la disparition de la moitié des activités liées
à la commercialisation, à la transformation, au transport, enfin toutes les prestations qui se font, qui sont directement liées au port. À partir de là, comment compte-t-il maintenir les chiffres du chômage? Comment compte-t-il en même temps faire du social, parce qu'il a promis aussi que l'État ne toucherait pas aux transferts sociaux? Et comment compte-t-il se débrouiller pour réduire les importations en maintenant et l'emploi et les prestations sociales avec une fiscalité qui disparaît de moitié? Manifestement, ce discours n'est pas destiné à des gens qui font des calculs, il est destiné beaucoup plus aux chalands. C'est comme le côté les produits là, insecticides. Évidemment, ils peuvent promettre n'importe quoi. Ça n'engage que celui qui écoute. C'est beaucoup plus un discours de forain qu'un discours sérieux qui est basé sur des normes économiques fiables. Mais il dit il n'y aura pas d'austérité. Dans le même temps, il dit il y aura une baisse des dépenses publiques en matière de fonctionnement et d'équipement. Et vous nous apprenez que, si c'est le cas, donc ce sera une baisse de la fiscalité ordinaire, donc ce sera des pertes d'emplois, que ce sera aussi et surtout l'instauration d'un climat social très toxique qui pourrait dégénérer. C'est automatique et imparable. Quelqu'un qui vous affirme que dans la même conduite, dans la même tuyauterie, avec une baisse de moitié du débit, il peut avoir la même pression, c'est quelqu'un, ou bien il vous prend pour quelqu'un de stupide, ou bien il n'a jamais fait d'hydraulique. On ne peut pas, dans la même conduite, sans réduire les débits, sans réduire le diamètre de la conduite, maintenir la même pression en réduisant de moitié les inputs, le liquide qui arrive. C'est un phénomène de physique élémentaire, et c'est valable aussi en finance et en économie. L'argent, ça ne se crée pas. La fausse monnaie, oui. On peut imprimer des centaines de milliards de dinars qui valent exactement le poids du papier. Mais parler de richesse réelle, parler de monnaie effective, en l'occurrence le dollar, quand la moitié disparaît du port, c'est automatique, c'est la moitié de l'activité interne du pays qui disparaît avec, et la fiscalité induite par la même occasion. Donc tout ce qu'il dit ne repose sur aucune norme logique. Est-ce que l'Algérie va bien, comme nous l'affirme Sellel avec autant d'assurance, de certitude? Là, pour paraphraser M. Boukro, je crois qu'on ne parle pas de la même Algérie. Maintenant, on parle d'une Algérie restreinte à quelques quartiers ou à quelques enclaves à la limite. Évidemment que jusqu'à présent, l'impression de sinistrose générale ne les a pas atteints. Elle ne les avait pas déjà atteints précédemment en pleine catastrophe nationale dans les années 90. Mais si nous parlons de l'Algérie en tant que nation et sur toute l'étendue du territoire, de toute façon, elle n'allait pas bien depuis un certain bout de temps. Quand un pays n'a aucune perspective industrielle ou économique, il n'a pratiquement que l'attente d'une rente qui vient pratiquement sous forme d'aumône, quand des citoyens en sont pratiquement réduits, bon gré, mal gré, à transformer leur destinée en sorte de carrière de mendicité permanente au lieu de prendre en charge leur destin, on peut dire que l'Algérie n'est jamais allée dans le sens qu'on aurait voulu. Mais Frata Itali, une question claire, directe, qui appelle une réponse claire, directe. Est-ce que la crise actuelle, et je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur, il y a quelques semaines, nous a dit « l'Algérie n'est pas en crise ». C'est faux. Il nous a dit « l'Algérie se porte très bien ». Est-ce que la crise qui se profile à l'horizon et qui ne va pas manquer de s'abattre sur le pays, à Dieu ne plaise, est-ce qu'elle va crever la bulle de prospérité factice, illusoire, qui règne dans le pays? De toute façon, à ce que je constate, moi, la bulle, elle est déjà crevée. La rentrée scolaire, hein, et la rentrée sociale, la bulle a crevé. D'ailleurs, c'est tant mieux, parce que je préfère encore qu'elle se dégonfle lentement, cette fumeuse, pas fameuse bulle, que qu'elle éclate d'un coup. Au moment où les gens sentiront que pratiquement il n'y a plus aucune ressource possible, il n'y a aucun secours possible face à leurs nouvelles conditions sociales et à leurs nouvelles conditions existentielles. Je n'ai jamais cru, de toute façon, à cette bulle, même quand elle était à son apogée, que l'argent rentrait à flot. Mais aujourd'hui, il est évident, il est visible que nous ne parlons pas de la même Algérie quand il parle de l'Algérie qui va bien. L'Algérie ne va pas bien. Il faudrait quand même ouvrir les yeux
sérieux, rediscuter tous les postulats. On ne peut pas demander à la population de faire des sacrifices alors qu'elle devra les faire de toute façon. Personne n'a le choix, on devra tous les faire, mais on ne peut pas lui demander de faire des sacrifices au moment où pratiquement la fiscalité a été réorientée, si j'en crois la presse, pour la loi de finances 2017, vers la consommation interne. Et évidemment, elle va toucher les plus démunis. Et au moment où les dépenses de l'État elles vont être réduites en matière d'équipement et peut-être en matière de fonctionnement des institutions les plus fiables, mais elles ne seront pas réduites en matière de carnaval et en matière de dépenses de prestige qui n'ont pratiquement aucune raison d'être dans l'état actuel de nos finances. Un État ne peut pas continuer sur une logique pratiquement destructrice de création de richesses et demander à la population de croire et d'espérer encore de supporter tous ces errements économiques sous prétexte qu'en 2019, d'ailleurs je n'ai jamais compris pourquoi on fixe 2019 et pas 2029 et pas 2018, je ne sais pas pourquoi ça date, je ne fais pas de corrélation avec un autre mandat, ce n'est pas mon problème, mais franchement qu'un type qu'une personne en charge des destinées économiques du pays relie les destinées de cette économie à des échéances électorales qui n'intéressent que lui, moi je pourrais répondre que d'ici 2019, il va couler beaucoup d'eau sous les ponts, et j'espère que ce ne sera que de l'eau, parce que là, au rythme où vont les choses, personnellement, je ne me vois pas arriver à 2019. Restez avec nous, Farhat Haïtali, Nordine Bokroh. Je vous demandais tout à l'heure de nous parler un peu de l'université. Vous savez, moi, personnellement, je considère que c'est une grande catastrophe, parmi les plus grandes catastrophes, pourtant personne n'en parle, cette absence quasi totale de cette université qui ne joue aucun rôle politique, qui est complètement absente et qui se complaît dans son absence, qui est prise en otage par des plagiaires, par des bricoleurs, par des gens qui sont tout ce qu'on veut, sauf des universitaires. Je crois qu'on ne peut pas isoler l'université du reste de l'école algérienne de façon plus générale, depuis le primaire jusqu'au supérieur, ni de la vie institutionnelle, les partis politiques, les artistes, tout ce qui rentre dans la catégorie élite. Bien sûr que l'université a été asservie, d'abord au FLN. Rappelez-vous l'époque où il fallait être un membre du FLN pour accéder à certaines positions au sein de l'université. L'article 120. Il y a une clochardisation de l'universitaire. L'universitaire a très tôt été placé sous la botte du militant du FLN, du Parti Unique. Cette mentalité-là est restée. Les gens qu'on désigne à la tête de ce ministère reçoivent toujours une feuille de route conçue de telle façon que l'université soit débilisée. Lorsque le sommet de l'État est occupé par des gens, depuis Boumedine jusqu'à aujourd'hui, par des présidents qui n'ont pour tout souci que la durabilité de la pérennité de leur pouvoir, de leur maintien au pouvoir par la force et la ruse. Leur inquiétude a toujours été que l'intelligence se développe dans ce pays, que la culture se développe, que des notions de vision, de construction d'une nation se développent ou qu'on en discute dans la rue, dans les cafés. Il fallait toujours rester dans la relation de l'homme providentiel au peuple du Douar. Selal est une incarnation du peuple de Douar. Il a été choisi parce que c'est un homme qui incarne l'esprit de Douar. Le Gouel, le Chouef, le Gizen, l'homme qui dit tantôt une chose et un quart d'heure plus tard son contraire, il est là, un plaisantin, il n'a peur de rien, parce qu'il n'a honte de rien. L'autre jour, il a dit « Dobro raskom » à la tripartite, il a dit « Demain, il n'y aura pas de moyens. Dobro raskom », il a utilisé cette formule-là. Nous avons affaire à des aventuriers, à des irresponsables, à des ignorants, même s'ils ont fait des études supérieures. Parce que le drame est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait des études supérieures, beaucoup ont les titres les plus prestigieux, mais dans la réalité, dans le fond, il n'y a presque rien. En dehors des sciences exactes, de ce qu'on pourrait appeler, tout le reste, les sciences humaines, pratiquement toutes les disciplines, en dehors des disciplines proprement techniques. Là, on a créé un homme servile, un homme qui, malgré son grade universitaire, est débile, un homme qui ne dit pas la vérité, même s'il a une culture qui lui fait entrevoir les vérités, comment diriger une nation, comment assurer l'avenir à long terme d'un pays, comment construire une économie. Nous n'avons pas d'économie.
Nous avons des subterfuges. Nous gérons une manne qui est celle des hydrocarbures. Je vous rappelle que le terme manne est un terme d'origine religieuse, d'origine hébraïque. La manne qui descend du ciel. L'alimentation, voilà, qui était assurée au peuple juif pendant l'Exode, pendant 40 ans. Je crois qu'en arabe, on dit el menna, il me semble. Voilà. Ouais. On dit surtout, yani, de façon générale, que ni'ma, c'est-à-dire un don de Dieu. Oui. La manne, c'est ça que signifie, après un transit par le latin, la manne, c'était un terme hébraïque pour désigner l'appui donné par Dieu au peuple élu, au peuple juif qui devait sortir d'Égypte et aller vers la terre promise. Nous, nous avons eu 40 ans de pétrole, 40 ans de manne, 40 ans de ni'ma. Et cette ni'ma-là, les Algériens représentent quel est le fait du président, que c'est lui qui distribue, que c'est lui qui donne le logement comme s'il sortait ça de sa poche. Alors imaginez un peu les ravages de l'esprit, de la culture charlatanesque. Notre économie, notre politique, c'est une ruqya. Monsieur Sellel, c'est un raqi, pas plus, c'est un raqi, c'est un je sais pas comment on appelle ça, les rebouteux. Voilà, c'est des gens comme ça, à la petite semaine, des gzanines qui viennent parce qu'ils voient le peuple comme étant une masse compacte d'ignorants, de gens, de douars, d'habitants des douars, alors que beaucoup d'Algériens ont été formés, malgré les vicissitudes, malgré ceux qui se sont enfuis, qui reviennent, qui voudraient revenir, etc. Il y a de l'intelligence en Algérie, mais elle est pervertie. Et on l'empêche d'accéder au sommet. Nordine Bokro, j'entends bien ce que vous me dites, mais moi j'aimerais comprendre quelque chose. Aujourd'hui, en Algérie comme à l'étranger, il y a de véritables universitaires, notamment ceux qui ont été formés en sciences économiques, financières, absolument, etc. Et donc, ils ne peuvent pas ne pas savoir que le pays va s'effondrer, qu'il va connaître une période très dure, atroce. Tous les gens le disent. Hein, on tombe toujours du côté où l'on penche. On ne peut pas tomber dans le sens inverse. Et donc, ces gens-là, il s'agit de leur propre avenir, celui de leurs enfants, celui de leur pays, du pays de leurs parents, de leurs amis, de leurs enfants, de leurs cousins. Comment font-ils pour accepter de le voir aller vers le mur sans rien faire, alors qu'eux savent, ils savent très bien. Voilà, ceux qui savent, ils sont aujourd'hui dans toutes les institutions. C'est l'encadrement de l'État algérien et il y a beaucoup, des milliers de gens valables, compétents, honnêtes, malgré tout ce que... Parce que le pourrissement, c'est en haut. Le problème, c'est le sommet. On empêche l'intelligence d'arriver à la vraie position de décisionnelle. Donc il y a des gens dans le civil, dans le militaire, qui ont été formés, qui savent que le pays était gravement en danger. Mais l'individualisme, mais l'atomisme, le peuple algérien est un peuple atomisé. Au point de se suicider, au point de suicider l'avenir de ses propres enfants ? Oui, mais lui, il pense à l'avenir, au jour, parce que s'il parle, s'il critique, il est tout de suite démis de ses fonctions, il est mis sur la touche, il perd son avenir immédiatement. Alors que l'avenir dont vous parlez, vous, Sidi Jamel, c'est les prochaines années. Lui, il vous dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et les Algériens, en fait, se méfient les uns des autres. On peut jeter un général en prison, personne ne bougera. Ça s'est vu avec M. Ben Hadid, parce qu'il a dit quelques mots, je ne sais pas quoi. Des journalistes sont actuellement en prison parce qu'on les soupçonne de ceci ou de cela. Demain, n'importe qui en Algérie peut être réprimé, jeté en prison par l'abus le plus indécent, et personne ne bougera. Et ça, le pouvoir, il le sait. Les gens d'en haut, ils le savent. Ils le savent depuis toujours, depuis la Révolution. Ils savent que le peuple algérien est atomisé. Moi, tout mon effort, c'est essayer de créer ce sentiment, le sentiment de la nécessité d'une conscience nationale. Regardez les gens quand ils sortent manifester pour avoir des augmentations de salaire, les patriotes, les gardes communaux par dizaines de milliers, les employés de la santé et de l'éducation par centaines de milliers, ils font des grèves, ils bloquent le pays. Mais jamais ils ne le feront pour la Constitution. Jamais ils ne le feront pour une institution politique, pour que l'Algérie ait un projet. Non, chacun revendique ce qui doit rentrer dans sa poche et c'est tout. Donc toutes ces forces éparses n'ont jamais été agrégées. Ces forces-là pensent qu'il est intelligent de rester en dehors de la vie politique, alors qu'on leur demande même pas de rentrer dans les cadres politiques, former de nouveaux cadres politiques, former quelque chose de nouveau, créer un mouvement civil, un mouvement citoyen. Parce que là, nous sommes en train de mourir et nous allons tous au mur. Tout le pays va être dévasté dans les prochaines années. Tous les calculs faits, toutes les mesures prises le sont.
par rapport à un critère unique, le maintien de Bouteflika le plus longtemps possible, jusqu'à ce que Dieu dispose de lui. Jusqu'à ce que après mort s'en suive. Mais Nordine Boukro, une dernière question, en moins d'une minute, parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Oui. Est-ce que, très sérieusement, est-ce qu'une médiocratie peut accoucher du mérite? Est-ce qu'une médiocratie peut générer du mérite? Non. Absolument pas. Il faut un renouvellement. Il faut un renouvellement des élites algériennes. Il faut du neuf, il faut du nouveau. Merci beaucoup, Nordine Boukroh. Merci beaucoup, Farhat Aitali. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qala khair bissalama.